Et maintenant, allons sur le parcours, on va aller voir un petit peu les Français, savoir ce qui se passe. Voilà, en compagnie du capitaine de l'équipe de France, Jean-Pierre Misery. Donc Jean-Pierre, la Bulgarie, c'est quand même très loin. Comment est-ce que tu as préparé ce championnat du monde? Mais au début, on ne s'attendait pas en fait, à ce qu'on a découvert en venant. On avait préparé un trajet tout à fait anodin, 1300 km pour arriver au bateau. On pensait 5-6 heures de bateau, c'était 15 heures. Après, on a traversé... On est descendu en Grèce, on pensait être contrôlé, hyper contrôlé. En fait, ça s'est passé en 3 minutes. On a traversé toute la Grèce, et des inondations, donc on a été dévié. Et ensuite, on est arrivé en Bulgarie, où là, c'était plus compliqué. On ne comprenait rien d'abord à ce qu'ils disaient. Et ensuite, bon, contrôle classique. Tout ça en 2 jours et demi. Voilà, ça a été l'épopée. Intéressante, sympa, mais quand même une épopée, on est rentré fatigué, hein. J'imagine, et les pêcheurs, eux, ils sont venus par avion. Oui, on avait décidé ça parce qu'on avait peur, le passage de frontière avec un convoi de véhicules. Et en fait, ça s'est avéré intéressant. Vraiment, c'était bien. Et le fait qu'ils viennent en avion, bon, la seule crainte, c'est tout le matériel dans un camion. Si on est bloqué, on pêche pas. C'est clair. Alors justement, la pêche, comment ça s'est passé cette semaine? Quels sont les poissons dominants? Quelles sont les tactiques? Est-ce que ça, à ton avis, ça va se passer plutôt à la grande canne, plutôt à l'anglaise, plutôt les deux? On ne peut pas dire qu'il va y avoir une pêche. C'est impossible. Tu vas le voir d'ailleurs en te déplaçant le long du parcours. Il y a des moments où il faut être à l'anglaise, des moments où il faut être à la canne. Bon, en tout cas, les ablettes qui étaient annoncées en nombre, elles y sont, mais ça ne sera pas du tout la pêche. Ou alors vraiment, il faut que tout le reste s'arrête. Il faut dépasser 4 à 5 000 pour être dans le coup, dans les secteurs. Donc automatiquement, c'est impossible de le faire aux ablettes, de ce qu'on a vu. Il faut des beaux poissons, ça met du temps. Alors, il y a des pêches à l'anglaise, des pêches à la canne. Mais jamais, si tu veux, selon les zones de parcours, fait en même temps. C'est-à-dire, il peut y avoir une zone qui va être faite à la canne, une autre zone qui va être faite à l'anglaise. Donc il faudra s'adapter à chacun des tirages ou... dans des zones. Et là, le derrière, ça va être important. D'accord, on pouvait penser que comme le parcours est très rectiligne, que tous les secteurs se ressemblent au niveau tactique, en fait, ça ne va pas vraiment être le cas. Il va y avoir des zones plutôt grande canne et des zones plutôt anglaises, mais sans savoir à l'avance quels seront les secteurs qui seront concernés. Oui, tu ne peux pas occulter une technique. C'est ces deux techniques, ça c'est sûr et c'est certain. Après, il va falloir maîtriser la chose. On va en discuter ce soir pour savoir où commencer, comment commencer. D'ailleurs, tu le remarques, là, nous, au niveau des Français, ils ont commencé à des longueurs différentes, c'est-à-dire certains à la canne, certains à l'anglaise. Et on regarde également les voisins, bien entendu, quelles que soient les nations. Hein. Contrairement à d'habitude, on n'a pas vu de nations très faibles en résultat. Voilà, c'était ma prochaine question justement. À ton avis, quelles sont les nations qui vont être les plus dangereuses et qu'est-ce que tu espères comme résultat pour l'équipe de France? Ah oh ben là, tu n'as même pas à me poser cette question. Je crois que là, sinon on reste à la maison. Hein. C'est un coup, un déplacement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a déjà ça et le résultat pour moi, c'est la médaille d'or. Bien sûr, un podium, on est toujours satisfait, hein. Mais on ne regarde pas la 4e, la 5e ou la 6e place. On n'a rien à foutre, hein. Excuse-moi le terme, mais je suis comme ça. Maintenant, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça c'est une autre histoire. Mais je viens avec une équipe, si on me demande de manager, c'est pour gagner. Voilà, le reste. Quelles sont les équipes qui, quand même, certaines équipes ont dominé un petit peu les entraînements ou pas? Oui, à l'heure actuelle, là, sur les premiers jours, enfin, jusqu'à aujourd'hui, les Italiens, quelle que soit leur zone, ont toujours dominé la pêche. Ça a été les seuls
qui ont vraiment dominé le circuit à l'entraînement. Salut Didier. Bon, écoute, dans Déclic Pêche et dans Info Pêche, tu es le grand spécialiste des amorces. Donc, qu'est-ce qu'il en est ici, à ton avis? Qu'est-ce qu'il faut comme mélange? Un mélange riche? Est-ce qu'il faut de la terre? Est-ce que tu ajoutes des additifs? Bah nous, on a choisi quand même d'opter pour des amorces plutôt riches, hein, type carpe fine, carassin, pidjala. Et puis à côté, on fait un mélange, on prépare un mélange de terre pour emmener à la coupelle avec des vers de terre, du maïs et puis aussi du chènevis. On avait pas mal de chènevis et de maïs dans l'amorce. Voilà. Ça, c'est pour fixer le poisson sur le coup? Oui, voilà, on fixe le poisson sur le coup. En fait, généralement, on amorce un petit peu en retrait, on met juste derrière un petit peu de terre avec des vers de terre et aussi des vers de base. Et pas d'additifs dans l'amorce particulier, d'arôme ou de choses comme ça? Non, on n'a pas. Non, mais l'additif, là, un peu pour le championnat, ça va être la graine de chènevis et puis le maïs, parce qu'il y a quand même pas mal de carpes et de carassins. Et est-ce que tu utilises le maïs à l'hameçon ou simplement des éches plutôt animales? Ben, pas mal, on voit quand même que là en fin d'entraînement que le maïs est pas mal à l'hameçon, parce que bon, on prend quand même avec des asticots et puis des bouts de vers de terre, on est quand même pas mal embêté par des petits poissons, des perches-soleil ou des ablettes. Alors c'est vrai que c'est avec le maïs c'est quand même une pêche d'attente, mais bon, à chaque fois on est sûr quand même d'attraper soit un beau poisson quand même. Bon alors Diego, dans Info Pêche, tu joues les coachs en donnant des conseils à nos lecteurs. Alors, qu'est-ce que le coach Diego donnerait comme conseil à Diego da Silva pour la pêche de demain? Là, le premier conseil que je me donnerais finalement, c'est de garder le calme, parce que en fait c'est une pêche assez délicate. Le poisson a eu une semaine d'entraînement, tu sais, des appâts toute la semaine, et en fait il faut être hyper calme et hyper concentré sur les touches, laisser vraiment, tu sais, ça fait quelques touches au waggler, là ça part, et en fait il faut attendre très longtemps, un petit peu comme un chat, et là en fait il faut maîtriser son sang-froid, être calme et puis ferrer au bon moment. Ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est aussi tirer profit de tout ce qu'on a pu avoir à l'entraînement, les lignes, les montages, et puis faire une synthèse de tout ça, et ça c'est un bon conseil quoi. Savoir analyser tout ce qu'on a fait cette semaine. Est-ce que tu penses que ce sera quand même plutôt l'anglaise? Parce que tu pêches beaucoup à l'anglaise là, à l'entraînement. Je pense qu'il y aura une bonne partie à l'anglaise. Alors maintenant, le choix va se déterminer ce soir, savoir si on part d'abord à l'anglaise et en fait on finit à la canne, parce que bon, il y a quand même quelques beaux poissons à prendre à la canne. Donc là, j'attends de savoir un petit peu. Moi, je pense qu'il faut partir à l'anglaise et finir à la canne. Maintenant, j'attends un petit peu l'analyse des coachs et des copains pêcheurs pour savoir ce qu'il va falloir déterminer. Salut Stéphane. Alors depuis plusieurs années maintenant, tu es le pêcheur français le plus régulier au championnat du monde. Et je voulais savoir s'il y avait une grande différence pour toi entre la préparation et les entraînements pour un championnat du monde et pour un championnat de France. Oui, bien évidemment, en fait, la préparation n'est pas du tout la même. Là, on arrive sur un parcours qui a été pêché pendant 5 journées avant l'épreuve, donc les poissons ne réagissent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont souvent assimilé l'amorce comme un piège, très souvent, et ils sont souvent aussi gavés des particules et des farines. Donc en fait, l'approche n'est pas la même. Les quantités à utiliser sur un championnat du monde, généralement en éche et en amorce, sont moindres, vraiment moindres, parce qu'en fait, justement, cette assimilation au piège fait qu'on est obligé d'être prudent dans ce que l'on met dans l'eau pour attirer ses poissons. Un championnat de France, généralement, le parcours n'est pas saturé. Donc, comme il n'est pas saturé, généralement, les farines restent dominantes et le côté, on va dire, mécanique d'une amorce a un intérêt. Aujourd'hui, là, le poisson mange uniquement des éches et des graines éventuellement. Donc en fait, il se désintéresse totalement des particules de farine, à mon idée. Donc en fait, oui, l'approche est fondamentalement différente, oui, bien sûr. C'est pour ça que souvent, on ajoute plus de terre en fin de semaine pour un championnat du monde, mais ici, c'est surtout des carpes et des carassins. Alors est-ce que tu vas quand même utiliser de la terre ou tu vas mettre simplement moins d'amorce? Alors, je vais utiliser de l'amorce parce que les carassins, ils sont sensibles, mais en quantité, on va dire, modérée. On va utiliser, je pense,
4-5 litres d'amorce sur le championnat par manche. C'est pas des volumes très importants. À la canne, on va principalement utiliser la terre pour essayer de capter plutôt des carpes. Donc en fait, sur les quantités de farine, ça va vraiment être assez modéré quand même, malgré tout. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est face à un championnat qui s'annonce très compliqué. Parce qu'en fait, la différence va se faire, je pense, avec très peu de poissons. Je pense qu'avec deux ou trois carpes, certainement, dans certains secteurs, on sera très bien classé. Peut-être moins encore, il faudra voir. Mais plus les jours passent et plus la pêche devient technique et compliquée. Alors, c'est assez surprenant parce qu'il y a des pêcheurs qui prennent des gros poissons, presque la ligne à peine posée. Donc, on ne va pas dire que c'est une construction qui fait que. C'est que les poissons sont dans la zone, l'amorçage est efficace. Et aussi, il faut avoir cette part de réussite. Parce qu'il n'y a pas de raison de prendre ces poissons d'entrée de jeu sans il n'y a rien qui est construit de particulier quoi en fait. Donc il faut de la réussite, il faut avoir les montages adaptés. Donc on voit qu'il y a deux montages à l'anglaise qui ont l'air de prendre plus que d'autres. C'est le fixe lorsque les conditions sont extrêmement lisses comme c'est en ce moment, qui a l'air vraiment la technique la plus sûre. Mais malgré tout, on a les Espagnols à côté de nous qui me font démentir parce qu'ils ont pris beaucoup plus de carpes que nous et ils pêchent qu'au coulissant. Donc comme quoi la pêche n'est pas une science exacte. Et dans l'approche, dans les montages, ben on peut voir qu'avec des montages complètement opposés, on peut réaliser des pêches similaires. Donc, voilà. Il va falloir s'adapter, comme toujours. Et c'est vrai que cette année, c'est quand même, je trouve, assez particulier. Parce que, c'est pas comme l'an passé où les deux ans, c'était une pêche de rivière, où il y avait une pêche à construire, où on sentait que les poissons, on pouvait monter en puissance dans la pêche. Là, on sait qu'on peut faire fort dans les 5 premières minutes comme dans les 5 dernières. Donc en fait, c'est pas de la construction, c'est plutôt avoir le passage de poissons, avoir la ligne au bon endroit, au bon moment. Voilà. Bonjour Jérôme. Alors, bonjour. Tu as l'habitude de beaucoup pêcher les carpes dans les carpodromes du nord de la Belgique. Est-ce que tu penses que c'est un avantage sur la pêche de carpes et de carassins en fait qu'il va y avoir ici? Alors, en début de semaine, j'aurais dit non. Parce qu'en début de semaine, on a pris des poissons, des carassins d'une manière un peu plus classique, en pêchant comme un peu chez nous les plaquettes ou les brèmes. Par contre, là, aujourd'hui, en fin de semaine, ça y ressemble vachement. C'est sûr qu'on pêche pas avec des pelés, de la pâte, des choses comme ça, ça n'a rien à voir, on pêche avec des éches naturelles. Mais la façon que j'ai pris les carpes aujourd'hui est la même que quand je pêche en carpodrome en fait. Au niveau des éches naturelles, tu veux dire quoi? Du maïs, des vers, des asticots? Voilà. Du maïs et des asticots. Le ver de terre, pas de non, trop. Non, j'ai pas pris au ver de terre. Au ver de terre, en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, on a des touches, mais on est un petit peu embêté par des poissons qui viennent tirer dessus, soit des ablettes ou alors des perches soleil. Toi, tu es confiant plutôt sur la pêche à la grande canne, même pour les carpes? Alors, pour moi, il y aura deux pêches. Je pense que la pêche à l'anglaise, elle est très très importante, surtout au démarrage, je pense. Et ensuite, construire son coup correctement à la canne et venir, je pense, les deux dernières heures, les pêcher correctement à la canne. Salut Jonathan. Salut Nicolas. Alors écoute, tu vas participer à ton premier championnat du monde dans la catégorie senior, mais tu as déjà fait beaucoup de championnats du monde chez les jeunes ou chez les espoirs. C'est ça. Quelle est la grande différence à ton avis entre ces types de championnats du monde? Bah écoute, il n'y a pas grande différence au niveau de la préparation, c'est très structuré au niveau des entraînements. Hein. Donc il n'y a pas grand changement au niveau de la préparation. Après forcément il y a un petit peu plus de technicité au niveau des pêcheurs, mais sinon peu de changements en fait, hein, c'est très structuré. Oui, donc la préparation du point de vue du matériel, etc., c'est exactement le même type de préparation. T'as pas besoin de plus de matériel, plus d'entraînement? Non. Pas besoin de plus de matériel. Maintenant, forcément, en étant avec l'équipe senior, il y a beaucoup plus de préparation au niveau technique de pêche. Il faut être prêt sur la technique de l'anglaise, la technique, la pêche de la blette, la pêche au cou. Mais sinon, avec les espoirs, il y avait déjà un niveau assez haut. Est-ce que tu vas avoir une pression particulière ou pas, ou tu te sens assez détendu, confiant? Non, complètement détendu. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, j'en ai fait une 8 ou 10 des championnats du monde avant, donc on n'arrive pas... un peu dépaysagé quoi. Bonjour Mickaël, donc oui. Demain tu vas être le remplaçant, donc tu vas avoir une fonction importante pour l'équipe.
Est-ce que tu vas suivre un pêcheur ou est-ce que tu vas te promener le long des berges pour essayer de voir la pêche et toi-même essayer de tirer des enseignements pour la deuxième manche où tu risques de pêcher? Enfin, quelle va être ta fonction demain? Non, en fait, il a été défini que je sois donc le remplaçant d'un pêcheur attitré. Donc, c'est déjà, en fait, le binôme est déjà défini en cours de semaine. En l'occurrence, je serai le coach de Jonathan. Voilà. Et donc je remplacerai éventuellement un pêcheur, mais là pour l'instant rien n'est défini puisque c'est une règle bien précise. Donc voilà, donc je serai son coach. Ensuite, pour répondre à ta question, non, je resterai vraiment derrière lui, je l'accompagnerai jusqu'au bout pour l'aider dans la stratégie de pêche, dans ce que je pourrais voir. J'irai me balader éventuellement un petit peu dans le secteur qui sera constitué de 17 pêcheurs, mais mon but c'est vraiment pas de me projeter pour le lendemain, c'est vraiment de l'aider à l'aiguiller en fait sur la stratégie adoptée entre la canne et l'anglaise, le moment opportun pour plutôt revenir à la canne si on voit des poissons ou si je vois des poissons plutôt pris à la canne, ou à défaut rester à l'anglaise si je vois rien de pris à la canne. Donc c'est plutôt une aide visuelle dans le secteur puisque lui il sera concentré sur sa pêche.